poteau. M'entendez? Attends, je vais allumer. Oh putain. Yo les poteaux, ça va? Voilà, c'est Doom, voilà, pour la première vidéo. Bon, j'espère que ça marche un petit peu, donc je fais... Voilà, j'ai un téléphone, c'est un peu pourri. Bon, là, il est 5h du mat, je suis pété de partout. Donc voilà, samedi, c'est ma première vidéo. Voilà, donc je vais faire ce que je peux ce matin. Hein. Je suis défoncé. Voilà, allez, hop. Je suis désolé déjà pour la qualité, hein. Je vais faire un montage et tout. Voilà, il faut que j'organise tout ça. Bon. Allez, bon, bon, on se retrouve tout à l'heure. Hein. Un petit vide-grenier ce matin, on va voir ce qu'on va trouver. Allez, ciao, ciao. Ah, je suis en train de bloquer le micro là, j'espère qu'on m'entend. Bon, allez, rien du tout. Hein. On va essayer de trouver 2-3 trucs. Allez, à toutes les amis. J'ai trouvé un bon petit des bons petits trucs. Voilà, bon, rien d'exceptionnel, mais deux pépites assez récentes. Je vous les présenterai tout à l'heure, hein, dans la voiture. Bon, allez, à tout à l'heure. Yes, bon, allez, petit compte rendu de ce vide grenier. Bon, bah, j'ai trouvé des petits trucs sympas. C'était très mal parti. Voilà, bon, je demandais un petit peu à tout le monde et il me disait, bon. Pas de jeux vidéo, bon, voilà. Au début, j'ai trouvé deux trois bricoles. Et puis après, bah, ça s'est un petit peu arrangé. J'ai fait une bonne affaire, enfin deux bonnes affaires, du coup, c'était ensemble. Des petits jeux, je vais finir par ça parce que c'est le plus beau truc du jour. Voilà, donc c'est parti. Alors, on présente ça. Donc déjà, j'ai trouvé une petite sacoche avec... Je vais l'ouvrir. Alors dedans il y a les trucs que j'ai trouvé. Bon, voilà, c'est pour ranger les. Tout se casse la gueule. C'est pour ranger les CD, voilà. Donc j'ai eu ça avec ça offert. J'ai eu ça pour 1€. Voilà. Donc ça, ce sera pour mettre mes petits jeux PlayStation 1. Voilà. Donc ça, on dégage. À mettre ça derrière. Voilà. Toc, voilà. Ensuite, bon ben j'avais trouvé un petit, j'espère que j'ai rien oublié, un petit steelbook. Voilà, c'est Mortal Kombat. Alors normalement, je sais, c'est 360 ou PS3, je sais pas. Par contre, le souci, c'est que bah, y a rien dedans. Donc bah, j'ai demandé qu'est-ce qu'il en faisait. Bah, il m'a dit, bah, je vous l'offre. Bon. Allez, un steelbook gratuit. C'est toujours bon à prendre. Ensuite, j'espère que j'en ai pas oublié. Hein. Si j'en ai oublié, il y en avait peut-être encore dans la sacoche. Ah oui, j'ai oublié un truc dans la sacoche. Il y avait un petit sac PS2. Voilà, un petit sac PS2. Bon, il est en bon état. Hein. J'ai demandé à combien il le faisait, 2€. Bon, j'ai trouvé ça raisonnable. J'ai pris, hop. Voilà, 2€. C'est plutôt cool. Ensuite, bon, je fais pas dans l'ordre. Hein. Bon. Voilà, sur un petit stand, un petit truc PS3. Alors, l'intérêt là-dedans, c'est que, ah ben, en fait, il est complet. Donc, si vous voyez, là, il y a le PS Move, la caméra, puis le petit jeu, voilà, petit jeu de drouille. Hein. Mais moi, j'ai pris pour la caméra et surtout le PS Move. Qui est compatible PS4 PS4 VR, voilà. Donc dedans tout est complet, en très bon état, d'après la dame ça a jamais servi, donc. Et j'ai eu ça à 2€, donc suffit de voir le prix des PS Move pour comprendre que ça vaut le coup, une bonne affaire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé? Un petit jeu PS2, Beyond Good and Evil, que je cherche sur Xbox première génération, parce que oui, en fait ce que je cherche, c'est surtout pour les jeux multiplateformes, c'est les versions Xbox,
Mais celui-là, il commence à prendre un petit peu. Et si je le trouve sur une autre plateforme, genre PS2 ou GameCube, eh ben je prends quoi. Donc si je le retrouve sur Xbox, ben je revendrai celui-là ou je l'échangerai. Voilà. Donc il est complet. J'ai regardé quelques griffes, mais bon état. Celui-là, je l'ai eu pour 1,50€. Voilà. Donc pour un jeu de cette qualité, c'est du bon. Ensuite, deux jeux PlayStation 2 plus un jeu PS1. Alors la particularité de ce jeu PS1, c'est qu'il est vide en fait. Enfin, il est vide. Il y a la notice, mais il n'y a pas le jeu. Donc celui-là, je l'ai eu avec le petit lot avec les deux jeux PS2. Je l'ai eu gratos parce qu'il n'y avait pas le jeu dedans. Donc encore un truc gratuit où il manque le jeu. Et les deux petits jeux Star Wars là. Alors Starfighter, pareil, je le cherche sur Xbox. Je sais qu'il est sur Xbox. Celui-là, je crois que oui, mais je suis pas sûr. Ah, il manque les notices, par contre. Il manque les notices. Les CD, bon bah comme d'habitude avec les jeux PS2, ils sont assez rayés, mais ça va, ça a l'air d'aller. Ils sont sales par contre, donc faut les nettoyer. Et ceux-là, je les ai eus pour 2 € les deux. Donc 2 € plus l'autre, le jeu PS1 où il manque le jeu, pour 2 €. Pour du Star Wars, c'est pas mal. Et pour finir, deux pépites. Attention, on va faire durer le suspense. Donc déjà, Xbox One. Donc c'est deux jeux Xbox One. Donc celui-là, c'est pour ma femme parce qu'elle adore Assassin's Creed. Et elle voulait du coup ce Unity. Donc qui se passe à la Révolution française à Paris. Voilà. C'est graphiquement, c'est le must, quoi. C'est vraiment magnifique. Hein. C'est vraiment magnifique. Donc celui-là et surtout celui-là que je cherchais. Donc le Fallout 4. Que j'arrivais pas à avoir en dessous de 15 €, donc bon voilà. Et ces deux-là, donc je les ai eu pour 10 € les deux, voilà, 5 € le jeu. Donc ça, c'est voilà, jeu Xbox One à 5 € de cette qualité, on prend quoi direct. Voilà. Alors, je suis désolé si je regarde un peu plus bas, c'est que bah, je regarde l'écran en fait, voilà, pour voir un petit peu si je suis bien placé. Voilà. Et ben c'est tout pour aujourd'hui. Et puis demain, ça va être la folie quoi. Demain ça va être, il y en a au moins 6. Donc voilà, on va voir ce qu'on va trouver. Bon bah du coup à demain. Allez, ciao!